mais il y a souvent des Américains. Il n'y a pas Welcome. Il n'y a rien après Welcome, gros bluff. Si, il y a pour de vrai ou c'est une blague que tu veux faire de... Moi, je suis né en France, mais j'ai grandi là-bas. T'as quand même bien l'air d'être un mec du Luberon, ou pas. Sur l'accent, il n'y a que dalle. Là, il n'y a pas du tout de Los Angeles. Là, hein. Là, t'as grandi en... Attends, t'es né en France et après tu t'es barré là-bas. Ah ouais, d'accord. Mais t'as un passeport américain? Non. D'accord. Mais ok, ça, en Californie? Ouais. Ok, ça va, t'étais loin. Mais donc toi, tu te considères comme américain, quoi. Attends, t'es né où? À Grenoble. À Grenoble, ouais, t'as raison. Ouais. Prends Amérique, prends Los Angeles. C'est vrai qu'en soirée, tu viens d'où? Grenoble, Los Angeles, tu pars avec un petit avantage. Qu'est-ce que t'es allé foutre à Los Angeles de 3 à 18 ans, toi? T'as pas eu le choix? Non, mais t'es allé faire quoi? Tu peux me dire, c'est secret? Oui, oui, non, mais je me doute bien que toi, t'avais pas ouvert une start-up à 3 ans, mais. C'est qu'il faisait quoi, il faisait quoi les darons? Des semi-conducteurs. Des semi-conducteurs? Des petites puces. Ok, j'étais sur les camions, c'est semi en mort. Débile. Ah, attends, il y a un piège en même temps, parce qu'il y a. Attends, il y a. Vas-y, soyez honnête. Soyez honnête. Soyez très honnête à semi-conducteurs. Tapez dans les mains ceux qui étaient sur les camions avec moi. Public de teubé, quoi. Vraiment, je me sens connecté. On dit qu'on a le public qu'on mérite. Moi, je me sens connecté avec vous. Vraiment, faudrait nous enlever la carte d'électeur à toutes et à tous, là. Ouais. Semi, je suis content. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas applaudi, mais vous avez menti. Voilà, c'est très bien, ne vous inquiétez pas. Donc, tes darons, ils sont partis faire des... Donc, j'ai toujours pas compris ce que c'était, quoi. Donc, des genres de puces, quoi, c'est... Pour les cartes bancaires, putain. Des composants électroniques? Voilà. Dans les ordi, les téléphones. Ah ouais, c'est aller bosser chez Microsoft et tout. Presque, ouais. Presque, ouais. Il s'est dit, il est con, je veux pas trop lui faire des phrases compliquées. Je vais lui faire juste des mots. Des mots simples. Voilà, des mots. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Allez. C'est bien. C'était une blague. Putain. Et attends, et pourquoi t'es revenu? Oh putain, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, ouais. Ça va être triste? T'as lâché Los Angeles pour revenir à Paris, du coup, pour suivre une dame. Ouais. Et attends, parce que souvent, les chutes de ces histoires, c'est que maintenant, il n'est plus avec la dame. Ouais. Voilà. Désolé, j'ai l'habitude. Et du coup, tu veux repartir là-bas ou... Hein? Non, je suis bien là. T'es bien là? Ouais, t'as trouvé les soirées techno. Sois le bienvenu, tu fais quoi à Paris? Informatique en finance, ouais, ça brasse de l'oseille, ça a dû faire une bonne école, on est bien. Ah non? J'ai zéro diplôme. T'as zéro diplôme? Ouais. Ah, attends, informatique en finance. Ouais. T'es un gars des cryptos? T'es un gars des cryptos? Rien du tout? Rien du tout. Il est dans le noir, je sais pas qui c'est, ça se trouve c'est... c'est un mec de 65 ans qui me parle, tu sais même pas. Ça se trouve, c'est le gars de la régie, c'est Yann. J'ai pas reconnu sa voix, il est en train de me parler. Ça se trouve, ça, ce mec-là, c'est un gars, il est dehors, il jongle. C'est un gars, je sais pas ce qu'il fait, il fait du bâton du diable, il a des 8-6, il est rentré comme ça, il avait pas de sécu. C'est bien, je vais m'inventer une life. Après, je vais aller vomir sur mon chien, j'en ai rien à foutre.